cet épisode de Hot Wheels, l'équipe du Méga Garage, une opération qui ne manque pas de piquant. Comment battre un monstre avec une armure invisible? C'est une belle journée qui commence à Hot Wheels City. Les habitants promènent leurs chiens ou organisent des pique-niques en famille, au parc. Tu me passes la sauce? Quand soudain, ils sont interrompus par deux voitures qui font la course. Essaye un peu de me suivre, Chase. Tout le monde n'a pas un moteur d'avion sous le capot, Sophia. Un embranchement. On a un choix à faire. Est-ce qu'on prend la jolie route de montagne ou l'autoroute plus rapide? L'autoroute. Quelle surprise. Tu choisis toujours l'autoroute. Et ça ne risque pas de changer. Le signal d'urgence! Ça veut dire qu'un monstre attaque la ville! Le shérif a besoin de nous, enfonce! Oh non, il y a un problème au commissariat! Shérif, où est le monstre? Juste derrière moi! Attention! Oh non! Un énorme scorpion attaque le commissariat de la ville. Il secoue la queue de façon agressive. Wow! T'as vu cette queue? Tu savais que le scorpion qui attaque le plus vite au monde est surnommé le rôdeur mortel? C'est une information terrifiante! Et super cool! Tout à coup, le scorpion frappe le sol de sa queue. Et partout en ville, des voitures sont projetées dans les airs. Vous trouvez ça cool qu'une énorme bestiole détruise mon commissariat et encore pire, mon jardin? Non, pas mes bégonias! Je me sens mal pour les bégonias. Ça alors? Ce scorpion est drôlement rapide! Mais pas aussi rapide que moi! Sophia, sois prudente! Ah! Oui! Ah! Ah! Dis donc, quel scorpion t'a piqué? Aidez-moi, l'équipe du Méga Garage! Mon travail est d'arrêter les méchants, pas les monstres! Les autres voitures de la ville se demandent d'où vient ce bruit. Et les grands-mères et les grands-pères se disent: oh, ça y est, j'entends à nouveau! Non, pas mes pétunias! Oh, c'était quoi ça? Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter ce scorpion. Je vais l'examiner de plus près. Chase s'approche discrètement du monstre. Il ne fait aucun bruit. Si je reste caché derrière les pommiers, il ne me verra pas. Et là, il fait un prout. Je crois qu'il m'a vu. Le scorpion arrache un pommier et le jette dans les airs. Les voitures s'écrient. Ah, elles sont éjectées de la route. C'est la panique totale. Non, je panique totalement. Le scorpion s'énerve et l'attrape avec la queue. Et ensuite, il l'aspire à l'intérieur de sa tête. Tu es beaucoup plus gros que la tarentule que j'ai à la maison. Tiens bon, Chase, je vais te sauver. Vroom, vroom. Voyons si cette horrible créature apprécie les doubles loopings. Sophia s'élance sur la rampe et s'envole tout droit vers le scorpion. Ouf! Merci! Maintenant, on doit arrêter ce monstre. Oui, et son exosquelette est trop épais. Il nous faut... plus de vitesse! Non, Sophia, attends! Je ne t'entends pas! J'ai passé le mur du son! Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons s'il apprécie les triples loopings! Vroom, vroom, vroom. Elle atterrit pile sur sa tête, part en tonneau et s'écrase au sol. C'est raté! Est-ce que c'est moi ou est-ce que la ville tourne très vite autour de nous? J'ai essayé de te prévenir. Ta voiture n'est pas assez lourde pour percer son armure. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut que tu changes de voiture. Et vite! Défi accepté! Queen! Ça tombe bien, j'ai une large sélection de véhicules. Mais j'aime bien ma voiture, j'ai pas envie d'en essayer une autre.
Ton bolide ne manque pas d'accélération, c'est vrai. Mais il n'est pas assez gros pour percer l'armure. Très bien. C'est d'accord. Mais je vais avoir du mal à en trouver une qui me plaît. Première candidate. Bubblematic. Des bulles? Tu veux t'envoler ou quoi? Cardé Asada. Elle me donne faim, mais non. Roadster Bite. Non, c'est encore une voiture de course. Suivante. Bugzilla. Impressionnant. Quick Bite? Oui, il est parfait ce camion de hot-dog. Il est tellement gros et lourd. J'ai pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule. Ne t'en fais pas. Vise le scorpion et fais confiance à Isaac Newton pour le reste. Qui ça? La force est égale au produit de la masse par l'accélération. Oh, la deuxième loi de Newton. Comment tu sais ça? Avec ton nouveau véhicule, tu vas écraser ce scorpion. Oui! Compte sur moi, Queen. Non, pas mes azalées! Je venais tout juste de fabriquer ce nichoir! Faites vite, l'équipe du méga garage! Pour battre ce scorpion, il va falloir que tu tombes de la tour turbo du transporteur! Le super transporteur extensible déploie une méga piste tout en hauteur! Toum, 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 toum! Wouah! C'est super haut! C'est super haut! Sophia, t'es prête? J'ai un peu peur, en fait. C'est la première fois que je fais ça. C'est toujours stressant de tenter de nouvelles choses, mais tu es la pilote la plus courageuse que je connaisse. Et n'oublions pas que son camion est très lourd. 3, 2, 1... Elle roule super vite. Non, pas mes nains de jardin! On la voit décoller du tremplin au ralenti. Le scorpion l'aperçoit et a l'air terrifié. Attention, j'arrive! Pour la première fois, ils parviennent à blesser le monstre. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Les voitures sont folles de joie. Elles fêtent leur victoire. Vous avez réussi! Et quelle puissance, Sophia! J'ai essayé quelque chose de nouveau et c'était très amusant. Si tu choisis toujours le même chemin, tu risques de passer à côté d'aventures vraiment cool. Et si on allait explorer la route de montagne pour une fois? On fait la course? Sophia a appris à essayer de nouvelles choses pour sauver le jardin de la ville. Essaie un peu de me suivre, Chase. Défi accepté! Bienvenue à Hot Wheels City, où une formidable aventure t'attend à chaque coin de rue.